Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Petite anecdote santé. Il m'en est arrivé une. Très bien. Malheureux. Et j'ai pas fait le malin. En fait, il y a 15 jours à peu près, en jouant à une session de sax, je sais pas comment je me suis débrouillé, mais en soufflant légèrement, en tournant la tête, en penchant la tête vers le bas comme ça, et en soufflant légèrement dans mon sax, en regardant un peu en haut, je sais pas, j'ai senti un truc là dans la gorge, là-bas, sur les tendons, au côté gauche. Ça me fait mal. Bon, je finis la session, tout, puis je prête pas trop attention. Ça me montait jusqu'au ganglion, ça me descendait. Bon, 2-3 jours après, le problème, c'est que je me rappelais plus que ça m'était arrivé à la session. Parce que moi, je fais un tour du bocal, et après, je me rappelais plus. Donc, je commençais à me dire, attends, ça fait vachement mal. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis, dans un premier temps, traité avec du tea tree, 3 gouttes, 3 fois par jour et tout, parce que je croyais que c'était infectieux, puisque j'avais, en tout cas, ce ganglion-là qui me faisait mal, mais ça me faisait surtout mal au milieu, là. Mais mal, mal, hein. Je me traite pour avec du tea tree, avec dans de l'eau, 3 gouttes, matin, midi, soir et tout, pendant 3-4 jours, rien, toujours mal, et c'était pire. Ça montait, tac, ça descendait, ça passait dans le dos jusqu'à derrière l'omoplate. Mais mal. Sauf que le poisson rouge ne se rappelait plus de l'origine du problème. Alors j'ai commencé à me dire, attends, il ne faudrait pas que tu aies un petit problème de cancer de la gorge, force de fumer comme un âne. Et je commence à flipper. Alors je prends le taureau par les cornes parce que ça faisait 15 jours que ça durait. Au point de me fatiguer, hein, ça m'a fatigué un peu là. Ça me faisait vachement mal au toucher là. J'ai essayé de me remettre le nerf et tout, j'y arrivais pas. Je vais à la pharmacie, j'achète une pommade. Je me badigeonne bien, bien, bien à fond, 2-3 fois par jour. Impeccable. Je sens que ça commence à aller mieux. Donc je me suis dit, bon, ça va, c'est pas un cancer. C'est, t'es vraiment un problème tendineux, tout va bien, machin. Je me couche. Mandy. Le matin. C'était plus la gorge. C'était le nez. En effleurant mon nez comme ça le matin, là, ça me fait respirer. J'ai eu mal. Magne, j'avais un bouton. Mais alors un bouton. Un bouton qui fait pas. Hein. Il n'était pas à l'intérieur du nez. Il n'était pas à l'extérieur du nez comme tous les boutons. Il était dans la paroi du nez. Et puis alors, je peux vous dire que celui-là, tu l'es fleuré, l'alarme à l'œil, côté gauche. Hein. Magne, je me débarrasse d'un truc. Pendant 15 jours à flipper comme un malade. Et tu vois pas que je me tape un bouton dans la paroi du nez. C'est même pas dehors, c'est pas dedans, c'est vraiment au milieu le truc. Et figurez-vous que j'y ai pas touché. Parce que de toute manière, je ne pouvais pas y toucher. Quand j'y touchais, je pleurais de l'œil. Terrible. Ah, ça ne me l'avait jamais fait. J'ai eu des boutons dans le nez, j'en ai eu à l'extérieur. Mais dans la paroi du nez, ça ne me l'avait jamais fait. Et alors, c'était presque pire que la gorge. Oh putain, c'était bien malheureux quand même. Mais je m'en suis sorti, la roue a tourné. Et j'ai plus mal au nez, mais je voulais vous raconter l'histoire du bouton, parce que là, je peux te dire que celui-là, on ne me l'avait jamais fait. Dedans, ok, dehors, pas de problème, tu perces, tu fais ce que tu veux, mais tu le vois, le truc. Là, je faisais ça, j'étais là, oh, l'alarme à l'œil, ça a duré 4 jours, et puis ça s'est barré tout seul. Heureusement. Voilà, famille, eh bien, écoutez, je reviens vers vous pour de nouvelles aventures de folie. Sûrement aller du saxophone. Samedi, quelqu'un vient à la maison essayer le saxophone que j'avais en vente. S'il vient à le prendre, il y a de grandes chances que je commande mon soprano courbe à la place. Et voilà la famille pour de prochaines aventures. À plus!